Bonjour François-Olivier, votre vidéo formateur pour Outlook. Aujourd'hui, nous allons voir comment importer un groupe de contacts directement dans Outlook. Car effectivement, il y a un petit souci avec Outlook. Voilà, j'ai ici des contacts et on voit ici une liste de contacts. Et si je souhaite donc, par exemple, exporter ou importer une liste de contacts, je dois aller dans Fichier, Ouvrir et Exporter. Importer, exporter, et je vais pouvoir exporter donc à partir d'un autre programme ou fichier et de prendre par exemple donc à valeur séparée par une virgule et faire un document CSV. Le souci, c'est que je peux très bien importer, exporter des contacts, mais pas des listes de groupes de contacts. Donc pour ce faire, il y a une solution qui est, je dirais astuce, mais qui fonctionne. Alors, dans un premier temps, on a besoin de Excel. Donc, je vais ouvrir Excel. Je vais prendre ici un nouveau classeur. Je vais créer, par exemple, une colonne donc, où je vais dire, je vais mettre des noms. Donc, je vais mettre les noms. Alors, je ne vais pas créer des noms, mais je vais mettre nom 1. Voilà. Et je prends ici, on va dire, par exemple, 6 personnes. Alors, je vais agrandir un peu. Voilà, vous voyez, j'ai fait nom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais créer des adresses mail totalement factices, mais qui vont me permettre comme ça de les importer. Et je vais faire une adresse qui s'appelle nom 1, @, et par exemple, free.fr. Je prends ces adresses et je vais les... Donc, hop. Fais attention de ne pas cliquer dessus, sinon il va m'ouvrir. Okay. Voilà, donc j'ai une colonne où j'ai mis les noms, une autre colonne où j'ai ici les adresses, et je vais les personnaliser afin que ce ne soit pas toujours nom 1, mais ici je vais mettre, voilà, nom 2, nom 3, nom 4, il me reste le 5 et le 6. Voilà. Je vais me rendre donc dans Outlook et je vais tout simplement créer un nouveau groupe de contact. Voilà. Où je vais lui donner un nom. Pas très original. On va l'appeler test. Voilà. Et je vais ajouter des membres à partir du carnet d'adresses. Voilà. Alors, ici, vous voyez qu'il y a marqué « membre ». Je vais rétrécir. Voilà. Eh bien, tout simplement, je vais aller chercher ici mes données. Je fais un copier, CTRL-C. Je vais dans Outlook. Et je vais coller, tout simplement, ici, la liste de mes membres. Je fais « OK ». Vous voyez qu'automatiquement, il m'a mis dans « nom », « nom 1, 2, 3, 4, 5, 6 ». Dans les adresses, nom 1, 2, 3, 4, 5, 6, je fais enregistrer fermé. Je peux fermer mon document Excel qui ne me sert plus à rien pour l'instant. Et ici, vous voyez que maintenant, j'ai un nouveau groupe qui s'appelle tout simplement test. Et bien sûr, si je double-clique, je retrouve ma liste. Et on va tester. Je vais tout simplement aller dans ma boîte mail, créer un nouveau courrier. Voilà. Et ici, je vais mettre que je vais écrire... tout simplement à test. Vous voyez qu'ici il y a test, je clique et j'ai test. Et maintenant, pour voir si cela fonctionne, il y a le petit ici plus pour développer la liste, je clique dessus. Voilà, il me prévient que bien sûr une fois que j'ai développé la liste, je ne pourrai plus revenir en arrière et la réduire, mais c'est pas ce que je veux. Je fais OK et vous voyez que j'ai bien ma liste de noms 1 2 3 4 5 6 sans aucun souci. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Outlook et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation.